Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Rookie sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Hey Frankie. Pas le choix, Sty. Je savais que c'était à faire. J'ai joué une heure. Je vais maintenant faire le poison. Au travail, il ne manque plus qu'un. Hein? Shit, je savais pas qu'il y en avait trois. Je pensais qu'il y en avait juste deux. Je fête. Thank you.
Non, je sais peut-être. Intelligent, Gwen. Arrête de chialer. C'est le dernier du Natablem. Et à présent, laisse ma magie. Laisse ma magie, le temps devrait à nouveau. Enfin prêt? Oui, mais tu dois l'administrer à en son cœur pour qu'il fasse effet. Merci infiniment pour tout, Michel. Voici la truelle, plus quelques petits bonus que j'ai trouvés. Merci, mon enfant. Va donc à présent. Sauve le cerf et retrouve ton frère. Non, on n'a plus besoin de la truelle. Comment je vais faire pour nettoyer ça? Et voilà, réfléchis, Tov. Peut-être que je dois administrer le poison plus profondément. Thank you.
fait. Ah. Je viens de comprendre. Allez, plus profondément. Qu'est-ce qu'il fait la dague? Rends-moi ça. Non, ça ne va pas. Il faut que ça marche, pitié. Seconde, il se passe quelque chose. Oui, ça marchait en fin de compte. Mais non, je lui ai même pas parlé. Voilà chez moi, plus étrange encore que la dernière fois. C'est quoi cette chose qui envahit tout? Qu'est-ce qui se passe, hein? Fabrique-la. Et d'où vient cette pousse? Quel genre d'arbre vas-tu devenir en grandissant? Je voudrais manger un sac d'engrais. Tu avais faim. Tu veux quelque chose à boire maintenant? L'arrivée de l'eau ne fonctionne pas. Bon. C'est la cour, seulement la cour. Mieux vaut ne pas s'approcher trop au bord. Aucune envie de descendre, ça a l'air à marcher maintenant. N'arrête pas de faire tomber ses jouets. Je ne le gronderai plus jamais pour ce qui est... pour ça, si je peux le ramener à la maison. Un arrosoir de maman, elle pouvait faire pousser tout et n'importe quoi. Non, je peux pas. C'est à l'arrosage. Là-haut.
Mais il y avait quoi dans cet engrais? Une petite poignée de tiroir. Bonjour, non, c'est maman qui me l'avait acheté. À l'époque, je savais pas encore trop écrire, mais je faisais des tas de dessins. Il y a toujours le tout petit cadenas dessus. Je vais prendre le cadenas, ça pourrait être utile. Quelqu'un a dessiné une porte sur le mur. Ça m'a l'air un peu inachevé. Ça aurait bien mieux ici. C'est vrai qu'on a caché une clé en dessous du PS1. Et je n'en reviens pas que ça ait marché. Une vraie clé. Une poignée a l'air d'aller maintenant. La clé, non, pas encore. Sans doute parce que la porte n'est pas assez portesque. Bon. Un autre arbrisseau, est-ce que peut-être... Un tout petit trou ici, et un petit crochet. C'est mieux comme ça. Là, c'est une vraie porte. Et là, c'est une vraie clé. J'y suis. C'est moi, petite. Je n'ai pas l'air heureuse de mon jouet. Bon, tabarnak. On n'arrêtait pas de perdre les cerceaux. On n'arrêtait pas de perdre les cerceaux. On n'arrêtait pas de perdre les cerceaux. Il n'y a plus de café dedans, juste l'eau. Pas? Non, ce n'est pas vraiment lui. Ça me rappelle quelque chose, mais tout est comme bancal. C'est quand est-ce qu'il utilise ses crayons de couleur? Je peux peut-être rectifier ça. Un vieux journal couvert d'anneaux de peinture. Je vais réparer ça, papa. Je me rappelle bien papa qui peignait le lit du bébé. Mais pas en griffonnant avec des crayons de couleur. Zéro chance que je saute. Si je tombe, c'est fini.
Et moi, je suis toujours tout petite. Je me rappelle que je voulais aider mes parents à décorer, mais avec quoi est-ce que je dessine? Qu'est-ce que ça, quoi t'es? C'est quoi cette traduction-là, tabarouette? Il faut que je lui fasse lâcher, que je me les fasse lâcher. Je vais remettre cette scène comme dans mes souvenirs. Prendre cette porte de placard et partir d'ici. Mon coup de porte par la tête. Ah, c'est niaiseux. Ah, ce soir, Caribou, tu vas dans le... Je veux dire, heureusement que ce truc est robuste. Papa essaie de réparer la voiture, soupir. Mais pourquoi est-ce qu'il utilise la peinture? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Le pinceau n'a rien à faire. Je vais essayer d'arranger ça, papa. Ça y est trop. Un souvenir caché sous toute cette rouille, c'est horrible. Non, c'était plus, je pensais qu'il voulait faire une ligne. Je peux plus la libérer, il le faut. Je vais t'aider, maman. J'aurais dû m'en... Utilise ça plutôt.
Ça a l'air un peu mieux, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Je ne pense pas que tu devrais jouer avec des crayons de couleur, papa. Je les confisque. Un couvert d'anneaux de peinture. En échange, je sais que tu préfères ça. Peut-être moi. Je l'ai fait réussir. Ah, c'est mieux. Qu'est-ce que je dessine là? C'est moi et mon futur frère. Je voulais être le meilleur de tous les grandes sœurs. Je vais prendre ça des équilibres tricots et je rendrai... Oh, et voilà. Qu'est-ce que c'est ça, sauf fiche là? Maman, j'ai trouvé ce dont tu avais besoin. Là, tu peux finir de tricoter. Est-ce que je l'ai réparé? La voilà. Je passais tout ton temps assise là à tricoter des affaires pour Lars. Si seulement il pouvait te voir. Je ne pense pas que ça dérangerait maman si je lui prends ce cerceau bleu. T'as tes deux parents, Gwen? Qu'est-ce qu'il y a là? Clé à molette. T'as toujours un des deux? Si ce champignon barre encore la route. C'est bon, oui. Orpheline. J'ai perdu ma mère en 2015. L'opinion, il arrête ici. Il en reste encore, cependant. Le tournevis n'était pas le seul intrus. Et les pots de peinture, je crois savoir à quoi ils servent. Je me rappelle ce jour-là. L'opinion, il arrête ici. Je ne peux pas reconstituer ses souvenirs. Je ne veux pas. Je sais qu'il va arriver ensuite. Sa mère meurt d'un accident de voiture. Mais si je ne le fais pas, je serai peut-être coincé ici à toujours. À jamais. Merci d'avoir gardé mon cerceau jaune, papa. Yes, mais pas évident. Ah. Ça veut rien. Ah, effectivement. Papa. Passe ton pot de peinture, papa. Je me rappelle pas de ça. Papa peignait mon lit de bébé pour arriver. L'arrivée de Lars. Il m'a laissé choisir la peinture. Ça allait être parfait.
trouvé le cerf sauveur. Mais pas. Non, j'avais déjà. Je suis resté assis dedans à jouer avec des fées et des tantes imaginaires. Peut-être qu'il les voyait vraiment. Et voilà, c'est le dernier. Je suis encore là. J'ai persuadé qu'il allait se passer quelque chose. c'est là que j'ai fait la promesse. J'avais jamais eu jeu. Maman avait dit que je faisais déjà une très bonne grande sœur. Et j'avais promis de m'occuper de lui comme sur le dessin. Toujours. Et là. Ah, elle va mourir à cause de l'accouchement. Je ne veux pas revivre ça. Pas fait gaffe à la grandeur des sorceaux. Maman, j'ai tout fait pour oublier ce qui s'était passé. Je ne suis pas sûr de pouvoir continuer. Tu es Tov, n'est-ce pas, humaine? Vous me connaissez, vous êtes réveillé? Je n'ai jamais dormi. Mais le Natamar... Je l'ai vu arriver, je ne l'ai pas arrêté. Et je t'ai vu arriver aussi. Quelle est ma malédiction, je vois tout ce qui risque. D'infléchir l'équilibre. Mais ma sagesse m'a quitté. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cette histoire est un conte de fées dans ton monde. L'esprit de la forêt amoureuse de l'humble bûcheron. Il prit forme humaine et lui aménagea un foyer. Il avait des corbeaux qu'elle élevait depuis l'œuf. Bientôt le couple eut un enfant. Avant qu'il ne découvre sa véritable forme, elle s'enfuit. Il peupla la forêt de corbeaux en bois pour l'inciter à faire demi-tour. Mais jamais elle ne revint. Parce que vous l'avez banni. Oui, ma sagesse m'a fait défaut. Et lui avant tout fait défaut. Je nous ai vus faiblir. Je n'ai pas arrêté le chaos qui nous a éteints. Elle a enlevé mon frère. Vous n'avez peut-être pas pu aider votre sœur. Mais vous pourriez aider sans mon frère. Et si c'était la mauvaise décision? Essayer d'aider n'est jamais une mauvaise décision. Peut-être ta sagesse dépasse-t-elle la mienne. Ton esprit est fort, résolu et sage. Assez pour réveiller des gens assouplis. Et je leur prêterai mon concours. Bien, Tov. Frères et sœurs, si nous revenons cette fois, c'est pour sauver et non condamner. Voilà, vous êtes tous là, je le sens. Oui, cette jeune louve a le cœur plein de force. Et l'esprit plus encore. Lars, je viens de chercher, tiens bon. Ensuite, on trouvera papa, je veux croire qu'il est quelque part ici. Le corbeau, il est pas là, lui. Corbeau, c'est la méchante madame. Henrik. Comment lui? Comment vivant? Il se réveille que maintenant.
Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tove! Tove, Tove! Lars! Lars, réponds-moi tout de suite. Hein? Il est arrivé quelque chose à la maison, mais quoi? J'espère qu'on ne contrôle pas. Je me rappelle plus, ça doit être des heures que je suis là. Tove? Oh non, j'ai parlé à Tove, je l'ai vu. Lars était avec elle et je lui ai dit. Oh, Tove. Oh, tabarnak. Place de luge. Comment est-ce qu'elle l'a descendu? Tove. Petite fille. Et elle a dû amener Lars au village. À la forêt? Seconde, comment je fais pour arrêter Rorka? Mon enfant, tu es prêt à pénétrer dans son royaume. Nous ne pourrons pas t'y aider. J'étais tellement occupé à essayer d'atteindre le portail que maintenant... Oh! Je ne suis pas prêt. Dites-moi quoi faire. Tu dois être forte. Tu dois être courageuse. Tu dois être le contraire de Gwen. Sauve Lars. La luge, mais elle est en morceaux. Pourquoi elle est par ici? C'est loin de la route. Ma Tove, mon petit Lars, seul dans cette forêt. Cet endroit ne les prendra pas. Il en a assez pris. Les billets, Lars, lui alors, il en a toujours plein les poches. Il laisse une trace pour son papa ours. À moins qu'il ait été séparé, est-ce que c'est pour Tove? Ma Tove, trop mature pour ton âge, c'est ma faute. Si seulement tu étais là pour m'aider, Eva. Alors là, je suis comme elle sur ça, pas cette vieille bike. Ça va pas. Allez, Henrik, retrouve-la et répare tes erreurs. Elle nous résiste. Pas pour longtemps. Nul ne peut résister à notre force. Le portail est presque ouvert et elle a gagné en puissance. Sauve Lars. Des corbeilles, il y en a partout. Ils ne me plaisent pas beaucoup. Plus que les arbres. Les enfants, Tove. Comment vais-je faire pour les retrouver? Toute bille, je brûle. Kovla, vous êtes là. Papa arrive, ne vous inquiétez pas. Mon enfant, notre pouvoir ne peut ouvrir la porte avec un instant. Pars sans tarder, mais sache ceci. Tu devras trouver seul le chemin de retour. Quoi? Un aller simple? Je ne peux plus faire marche arrière. Oups. Quoi qu'il arrive, je dois rejoindre Lars. Il a besoin de moi. C'est tout ce qui compte. Allez, rentre. Qu'est-ce que... C'est Tove. Elle a disparu. Où est-ce qu'elle a pu aller? Qu'est-ce que ce truc fiche? Ah, ça alors, c'est du château. C'est le seul endroit du coin qui ne soit pas sauvage. Si Tove et Lars sont dans les parages, c'est forcément là. Les rames, c'est bon, ça devrait tenir le coup. Tenez bon les enfants, je vous retrouve. Je vais vous retrouver. C'était beaucoup plus loin que je croyais. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Tove! 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 Lars, je suis là, je vais vous trouver.
matériel d'escalade. Sans doute que d'autres personnes ont essayé d'explorer l'île avant moi. Il y a une vieille note usée, ils ont dû partir dans la précipitation. Enfin de retour, avec les hommes et l'équipement nécessaire pour trouver. Oserais-je espérer? Qu'est-ce qu'ils cherchaient ici? Une chose est sûre, c'est qu'ils étaient mieux préparés que moi. Et moi, j'oserais espérer? Il y a un piton d'escalade, je vais le prendre. Bien, qu'est-ce que c'est? C'est peu. Oh! Il y a quelque chose avec moi. Je crois que c'est un fantôme. Eva, c'est toi? Tu veux m'aider, pas vrai, Eva? C'est le château que j'ai vu depuis la place, la plage. Tant que je pensais, il est très froid. C'est quand il y a quelqu'un. Une sensation de chaleur. Lars, c'est toi? Non, il est vraiment là, il a besoin de moi. Mais qui que vous soyez, je n'ai rien contre un peu de compagnie. Passer de Tob à Henrik. Faire ça. Je croyais qu'il y avait quelque chose. On a de Tob. Mais d'où est-ce qu'il vient? Le journal de Tov, tel que soit votre personnage. Lars! Il avait ça sur elle, il est à la recherche de Lars. Ça veut dire qu'ils ont été séparés. Qu'est-ce que c'est cette histoire de gardien? Je ne comprends pas. Mais c'est là qu'il se rendait, je peux encore les retrouver. La métallique gravée a l'air scellée. Les objets sont communs à Tov et Henrik. Les deux personnages peuvent s'en servir. Qu'est-ce pourquoi est-ce que c'est? Pas moyen de l'atteindre. De flèches, un journal. On manque beaucoup quand même. C'est une balance. Pas si j'apprécie. Oui, c'est ça. Laisse. Bouge pas d'un poil, je dois lever. Cette odeur, ça me rappelle quelque chose. Et ça de la merde. Non.
Oui, j'entends plus. Oh. L'entrée. Évidemment, ces barreaux étaient un peu plus larges. Vous avez passé à travers. Vieux, je peux peut-être les glisser par là si j'arrive à les écarter. Force. Bizarre. La personne n'était pas plus petite il y a une seconde. On doit pouvoir passer. C'est ça qui compte. Je glisserai. Froid, je dis froid. Il fait froid ici. Arrête. On va ouvrir de ce côté. Je vais y arriver, Tov Tov. Allez, dans le sac. Pratique. Thank you.
quelque chose. Ah mais comment ? Peut-être appuyer sur quelque chose sans m'apercevoir. La sonnerie a l'air bien différente. Ça. Ah bien, l'affaire pour l'endroit fait bien l'affaire pour des... un rocher. Que la vie était cachée, ben c'est en deux. Et voilà. Ça a marché. C'est moi qui m'aide, Eva. C'est toi qui m'aides, Eva? Je ne comprends pas. Ceci ne pourrait pas y arriver seul. Le portail était ouvert. Oh, il y a quelqu'un. Ça n'aurait pas pu marcher. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aide? Je sens une odeur, il me rappelle quelque chose. Bon. Mm-hmm. Il n'y a aucune chance de passer par là. Ça a l'air lent. J'espère que son auteur n'est pas de ce coin. Ça ressemble à un vieux puits. La grille est toute gelée. Il y a une fissure dans le mur, mais elle est recouverte. Bon, même si tout n'était pas gelé, il nous faudrait la clé pour l'ouvrir. Oh, j'ai quelques idées quoi faire. Attends, j'ai un truc, que veut-il? Personne n'est pas dans le coin, donc tu profanes les lieux sacrés. Ne bouge pas, même si elle n'était pas gelée, il faudrait une clé. Bon, ok. Elle a arrêté de percer ici, on dirait que c'est la peine de faire dessous. Invité,
Je serai mécontent. C'est tout pour le jeu Rookie sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!